Salut les hobbies, c'est Dot de Yurla Studio, comment ça va ce soir? Petit bonsoir à Ludovic, Cyril, à Pio Pio, tout ça, comment vous allez bien les gars? J'espère que c'est la forme. Ce soir, on va peindre une des dernières releases de Marvel, à savoir Honey Badger, donc qui est la petite sœur, on va dire ça comme ça. Et pour le coup, elle est vraiment petite sœur de X-23. Alors, pour le coup, c'est une commande, c'est pas pour moi. Je vous avoue que je suis pas très fan de la figue, vous allez voir, elle est très petite. J'espère que le. Comment dire, l'appareil photo, je vais pouvoir peindre d'assez près pour que vous puissiez voir des trucs. Je suis en train de voir, j'ai l'impression que le volume du son est super fort. Du coup, je vais réduire. Ça me paraît plus correct là. N'hésitez pas à me dire si le volume était trop fort. N'hésitez pas à me dire si le son est bon, si l'image est bon, si tout est bon dans le jambon. Voilà. Et puis, ben, on est parti. Donc, comme d'hab, vidéo en partenariat avec quicommence.fr et les jeux de la comté avec le petit code HelloYurlas, tout attaché. Hello comme bonjour en anglais et Yurlas comme Yurlas. Vous avez 10% supplémentaires, ce qui fait sur la gamme Marvel à peu près 19%. On fait aller un écran pour toi et un sur BFM. Ah oui, carrément quoi. Tu regardes les actus, toi? Moi, je regarde pas trop les actus. J'ai pas envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie. Voilà, on sait tout ce qui se passe. Façon de parler, c'est bien de se tenir informé, mais j'ai pas envie de me taper des espèces de crises d'anxiété pour rien. Donc voilà. En tout cas, voilà. Moi, je suis un peu en rush de ma peinture des Sinister Six. Je comptais prendre vachement plus mon temps. Enfin, des Spider-Foes, en l'occurrence. Et j'ai avancé un petit peu. J'ai peint mon homme lézard. J'ai peint mon Kraven aussi. Je vous le montrerai tout à l'heure si vous voulez. Et puis, j'ai commencé Mysterio. Il faudra que je finisse Goblin. Et après, ben, je crois que c'est à peu près. Ouais, c'est tout. En Spider-Foes, c'est tout. Il faudra que je fasse ça. Alors, la figurine de Honey Badger. Tadam! Ça me paraît loin là. Hein. Pas. On va essayer de faire comme ça. Puis je vais essayer de pas peindre en tapant dans l'appareil photo. Alors, la figurine est vraiment petite. Pour vous donner un exemple, donc Laura est à taille des autres figurines. Voilà. C'est vraiment sa petite sœur. qu'est-ce que j'ai comme autre figurine en comparaison à côté, je sais pas, une Valkyrie. Midquartak à la famille par alliance à Kiev. Ah ok, bah je suis désolé pour toi, j'espère qu'il se porte bien mon petit Psyopsio. Moi j'ai mon frangin enfin, qui vit en Lettonie et puis pareil ils ont des amis du côté de l'Ukraine, moi j'ai deux trois contacts en Ukraine aussi. Bon ils me disent que eux ça va bien puis qu'ils vont vous regarder pour bouger mais c'était prévisible entre guillemets, mais en tout cas voilà, j'espère qu'il se porte bien. Donc pour vous donner une comparaison entre Valkyrie et Honey 23, voilà. Vous voyez les petits délires un peu de différence de taille et compagnie. Donc ça, c'est un peu voilà, c'est un peu chiant. La figurine est vraiment pas grosse, donc on va essayer de voir pour bosser ça un peu tranquillement. Mais du coup, on va pas pouvoir pousser de ouf. Donc c'est une commande. Mon client m'a juste demandé un truc. Il m'a dit voilà, juste de bosser un peu le visage. Donc on va essayer de faire un peu attention au visage. Puis le reste, on va le peindre un peu comme d'habitude. Alors, globalement, pour le noir, je vais tout peindre à base de Black Templar. Ça va bien aller à la contraste parce que ben, comme c'est petit, que c'est des petits volumes, tout ça, on éclaircira un peu certaines zones comme la bandure de pantalon, tout ça. Mais globalement, ça va rester assez sobre. On éclaircira aussi les petits trucs sur la ceinture. Coucou Anaïs, j'espère que tu vas bien. Merci et bonne session à toi si tu peins aussi en même temps, qui est le principe du Marvel Day, vous devez peindre en même temps que moi, ou alors regarder à la télé comme Tsopio. Oh, désolé, gros problème de réseau. Alors moi j'ai mon live qui a planté en début de live. Donc t'inquiète pas, ça se trouve c'est peut-être moi, je ne sais pas. Donc je disais le noir au Black Templar, le jaune on va essayer de travailler avec un jaune chaud, puis on va éclaircir un peu avec un jaune froid, puis du blanc, enfin voilà, le classique. Le blanc, je ne vais pas partir sur une base de blanc bleuté comme je faisais d'habitude, mais plus un blanc un peu cassé gris-marron. Donc on va voir, j'ai ma petite base de Iron Hue que j'aime bien pour ce genre de gris. Donc on va voir, on va essayer de bosser un peu ça. Et puis voilà, donc on va faire ça. Alors pour le coup, dans le Hardbox, ils lui ont fait les cheveux bruns, mais dans mes souvenirs, Honey Badger, elle n'est pas brune dans le sens chocolat, quoi.
Moi, elle est brune comme Laura, les cheveux très foncés. Donc, on va voir, je vais essayer de faire. En tout cas, pour la figue, alors, en soi, comme je disais, elle est vraiment petite. Enfin, quand je l'ai montée, j'ai fait, mais c'est ridicule d'avoir fait un truc comme ça. Moi, ce qui me dérange, c'est ses griffes. Elle a vraiment des griffes fragiles. Et paradoxalement, c'est quand on tape dans la griffe en venant du côté de la main, donc dans ces sens-là, qu'on la tord et pas de l'autre côté. De l'autre côté, elle résiste assez bien. Mais du coup, ça, c'est quasi sûr que ça va casser. Moi, je pense que je vais au moins je vais les péter. Je pense que pratiquement tout le monde va les péter. Donc, à voir. Soit vous mettez un peu de Green Stuff ou de Magic Sculpt ou un truc comme ça. Enfin, je ne saurais dire comment les renforcer. Vous les virez, puis elle fait genre j'ai des points. Je sais pas. Vous démerdez. Et du coup, moi, ce qui est rigolo, c'est que j'ai Teddy qui est passé à la boutique et je lui avais demandé de m'imprimer un socle. Et voilà, ce grand Teddy m'a imprimé plein de figues. Et dedans, il y a une Honey Badger et la Honey Badger avec les lunettes. Et je l'aime beaucoup. Donc, du coup, je pense que la mienne, je la jouerai en version C27. Je viens de poser mes pinceaux. Je vais plutôt aller me faire à manger en écoutant ton live. Et ben, bon appétit à toi alors. Du coup, c'est parti. Je vais commencer par le noir. Et puis on fera le reste tranquillement. Hop, comme ça. Donc je pars avec vraiment un petit pinceau. Il faut que je donne les résultats du CDA. J'ai tiré le vainqueur aussi. J'ai tiré le vainqueur, donc comme ça on va faire ça. Et je lancerai dans la semaine un CDA, mais sans gain de lot. Juste un CDA, voilà, des viewers, où je ferai une émission à chaque fin du mois avec voilà, ce que les gens ont peint pour le CDA. Donc je vais créer une petite page dans le Discord pour ça. Et je trouve que ça sera sympa, voilà, un CDA. Donc j'hésite à le cloisonner à Marvel. Je pense que ça peut être sympa d'ouvrir aux autres jeux aussi. Parce qu'en fait, moi je ne fais pas que du Marvel à la base, mais j'en fais beaucoup, mais à voir. Ça peut être sympa. Hop, et puis comme ça, toutes les fins de mois, on fait une petite review un peu des figurines des abonnés. Ça peut être bien cool. Je ne vais pas traîner ce soir demain des buteaux. Et ben moi c'est pareil, je vais pas traîner ce soir parce que demain des buteaux. Mais bon, on va quand même, je pense, aller jusqu'à 22h30, 23h sans trop de problèmes. Rien qu'en discutant, en racontant des conneries, voilà quoi. Hop là. Elle a les bottes en noir, elle a toutes les ceintures là. Et puis on va peindre ça tranquillement. C'est sympa, j'ai mon Thanos qui n'avance pas. Ah, bah alors. S'il avance pas, il faut lui faire passer la première, c'est tout. Franchement. Non, mais il faut arriver à s'y mettre, à se bloquer des petites en session régulière, Cyril. Je sais que c'est pas forcément simple, hein, avec la famille tout ça. Mais si tu te dis pas, tiens, ce soir-là, cet après-midi-là ou quoi, je peins, ça va être... c'est un peu compliqué. Moi, je sais que, voilà... En dehors du boulot, je ne peins quasiment plus pour moi. Donc du coup, le mercredi, je me force un peu à peindre mes figues à moi, normalement. Donc là, en l'occurrence, non. Parce que en fait, il la voudrait pour vendredi, puis je lui ai dit que c'était OK. Donc c'est pour ça que je la peins la soir. Mais ça me permet au moins d'avoir une à deux figues par semaine. Coucou mon chacabon, comment tu vas bien? La forme? Et quand c'est comme ça, ouais, si on se réserve pas des temps de peinture, c'est compliqué, quoi. J'aimerais bien me dire, tiens, je sais pas, tous les dimanches, c'est peinture pour moi, machin, mais... Par le mercredi, c'est compliqué, quoi. Le dimanche, généralement, je le réserve pour moi, je geek un peu, je fais mes courses, mon ménage, mes papiers. Et puis, lundi, mardi, je fais les projets de Durlas, tu vois. Et le reste de la semaine, bah, je suis à Kikom et le soir, j'ai pas forcément envie de peindre. Je le fais, mais j'avoue que quand je peux ne pas peindre, je ne peins pas.
Hop. Eh ben, moi, pour être en toute transparence, c'est pas trop la forme. Mais on fait comme il faut. On fait ce qu'il faut. C'est ça. C'est pour ça que je disais à Psyopsio, j'évite de me rajouter de l'anxiété pour rien par-dessus ou des trucs comme ça en regardant les infos. Mais disons que j'ai une santé un peu rock'n'roll depuis 2009 et que là, actuellement, je suis un peu en phase descendante. Mais c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, donc ça reprendra. Voilà. Faut juste que je me repose bien, que je fasse pas d'excès, que voilà. J'ai l'impression que pour le socle, il va me falloir beaucoup de temps d'un coup. Tu parles de peindre l'intégralité du socle, donc le décor, Cyril? Ça fera le sujet d'un live, si tu veux. Il y a deux lives qu'il faut que je fasse, et le décor de Thanos en fait partie. On peut regarder la semaine prochaine si j'ai pas d'impératif Marvel. Ça peut être intéressant de faire une petite session décor pour changer. Puis comme ça, on fera un peu d'aérographe aussi. Ça changera. Hop, voilà, le noir c'est fait. Ah non, il y a les côtés. Oh, rien de grave, j'espère. Non, non, j'ai. Enfin, rien de grave, tout est relatif. Il n'y a rien de grave en soi, mais. J'ai été diagnostiqué fibromyalgique et fatigue chronique depuis 2 années. Après, c'est un peu un diagnostic à la con et bâtard. Et depuis, en gros, 2009, je fais régulièrement des crises douloureuses de façon chronique. Avec des grosses périodes de fatigue, de faiblesse musculaire, etc. Et en fait, j'ai testé un peu tous les traitements médicamenteux pas possibles. Ça marche pas de ouf. Et j'ai suivi une thérapie comportementale il y a 2 ans et demi, 3 ans, qui fonctionne pas trop mal pour le coup. Donc où le principe, c'est d'adapter mon rythme de vie et mon hygiène de vie à ma situation, quoi. Donc il y a beaucoup de trucs que j'ai squeezé un peu dans ma vie, que ce soit les grosses soirées chouilles, les concerts, les positions debout longues, enfin plein de trucs comme ça quoi. Reprendre un petit peu le sport. Mais là avec le Covid ces dernières années, je bouge beaucoup moins, je suis beaucoup plus tu vois, tout le temps chez moi ou genre de trucs. Et je suis en train de le payer. Et du coup voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de grosses crises douloureuses pendant plusieurs jours Et là, ça fait 2 semaines où ça arrête pas. Donc voilà, c'est un peu chiant, ça me fatigue beaucoup pour pas grand-chose. Bien évidemment, ça intervient pas, tu vois, quand tu t'en fous. Ça intervient quand t'as envie de dormir, quand t'es en train de travailler, des trucs comme ça. Mais quand t'es posé dans ton canapé pépère, non, là c'est bon, là, tout se passe bien. Hop! Donc là, on a fait le noir. Voilà. Le noir, la contraste, c'était extrêmement technique, les gars. Là, je pense que franchement, il faut bac plus 10 en peinture de figurine. Sinon, pas possible. Il n'y a pas moyen de faire la peinture. Alors, maintenant, j'hésite à soit faire le jaune, soit faire le blanc en premier. Je pense qu'on va faire le jaune. Et je ferai le blanc après. Et après, on va avoir tous les petits liserés rouges et les éclaircissements tranquilles à faire. Donc, pour le jaune, comme je disais, je vais partir sur un jaune. Un peu chaud, donc j'en ai deux qui sont sympas, j'en ai un qui est un peu plus orangé. J'ai même de l'orange pur, mais là on va pas partir sur de l'orange. Le seul truc c'est que je veux l'éclaircir avec mon jaune citron. Et pour le coup, l'orange, le jaune là réagit mieux au mélange avec ce jaune là que celui-là. Celui-là il se travaille bien avec les ocres et le blanc. Mais celui-là il se mélange mieux avec ça. Donc du coup je pense qu'on va partir sur cette base-là. Donc ça, c'est une petite particularité des pots Chimera, c'est que globalement, ils sont faits pour se mélanger entre eux, mais il y a quand même des couleurs qui réagissent différemment et mieux, j'ai envie de dire, avec d'autres. Du coup, voilà, faut prendre en considération. Généralement, ça se fait assez bien.
Et d'ailleurs, sur le Mysterio, j'ai testé leur recette d'or pour le NMM et j'ai bien kiffé. Enfin, le rendu est vraiment sympa. Ça change vraiment de l'or que je travaille d'habitude. D'habitude, j'ai un or plus marronné, on va dire ça comme ça. Là, il est un peu plus beige pétant. Pour moi, ce soir, c'est montage de décor MCP. Ah ouais, tu montes quoi? Donc là, le principe, je vais déjà faire ma base avec mon jaune un peu chaud là. Et directement dans le frais, je vais venir appliquer mon jaune plus citron. Comme ça, je vais me faire mon petit dégradé tranquille. Et ça me permettra directement d'aller chercher du jaune avec du blanc tout à l'heure. Hop, donc là je fais l'inverse, mais les deux marchent. Hein. Que j'aille du foncé au clair ou du clair au foncé. Alors de manière générale, vaut mieux foncer une couleur, c'est plus facile que de l'éclaircir. Les couleurs gèrent mieux le fait d'être foncé que d'être éclairci. Mais bon. Voilà, donc ça donne un petit truc pour le moment un peu comment dire, un peu électrique, mais on va atténuer un petit peu ça dans des jus et compagnie. Et là, j'ai juste besoin de poser mes bases. Hop, on s'en fout de la des genouillères pour le moment. Un peu mon jaune là. Là, je suis vraiment dans des aplats, c'est chiant, c'est pas très glorieux. Alors, je regarde juste le Nebadger officiel pour voir un peu les trucs. Ouais, tourner chercher le jaune derrière la cuisse. Puis je pense qu'on va aller chercher un peu de violet dans ce jaune aussi pour les ombrages. Ce sera sympa, ça va amener un peu de variété dans la couleur. Par contre, n'hésitez pas à me dire si je suis hors cam parce qu'en fait j'ai la caméra qui est tellement proche que j'ai tendance à m'éloigner d'elle. Et du coup, il faut bien prévenir. N'hésitez pas. On me dira, ah, Dodd, t'es pas dans le cadre là. Tu fais un peu de la crotte là. Hop. Syndrome Magneto, j'ai fait tomber la figurine, mais c'était pas dans la peinture. Mais je prends mes précautions maintenant. La palette n'est plus au-dessus de la figurine. Vous avez remarqué, hein? Au-dessus, en dessous de la figurine. Alors, je vais regarder un truc. Hello, Yoxid. Je vais prendre un peu de. De mon ocre intermédiaire, là.
On va laisser sécher. Parce que cet ocre, il réagit vachement mieux. En fait, de manière générale, il est beaucoup plus recouvrant. Du coup, je vais me faire ma petite base avec ça. Je vais garder le Yoxide Yellow vraiment pour certains points de lumière. Ouais, c'est mieux. Ça permet vraiment d'avoir une base propre là. Toujours rien pour tenir ta figue. Mais en fait, j'ai perdu ma petite poignée. J'avais une petite poignée, je sais pas ce que j'en ai foutu. Et pourtant, j'ai rangé il y a pas longtemps mon bordel. Et non, pas moyen de remettre la main dessus. J'ai la grosse, mais bon, elle est tellement encombrante que. Ouais, voilà, comme ça nous donne. Je sais pas si on voit bien les contrastes. J'ai un ocre et puis de temps en temps j'ai voilà, j'ai ma pointe d'oranger là qui revient là-dedans. De l'autre côté. Donc là, je mélange un peu mon ocre avec du jaune. Pour retrouver un peu le côté coloré de ma couleur. Et on va faire pareil. Donc elle a tout le côté des fringues. De peindre avec un petit pinceau, c'est chiant parce que bah, on n'a pas de réservoir dans le pinceau. Coup, je suis en train de faire des espèces de jus là, pour que ça soit plus facile. Puis, quitte à repasser plusieurs couches. On va laisser sécher, on viendra après pour faire nos couleurs de base, nos éclaircissements, faire les épaulettes. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent l'histoire de Honey Badger? Parce que je vous avoue que, à part le fait que c'est la petite sœur de Laura, j'ai pas trop de connaissances sur le personnage. Donc typiquement, c'est la fille de Logan par procuration, on va dire ça comme ça. Hop, nickel, tiens, on va pouvoir repasser notre deuxième couche là. Et je vais mettre un peu de jaune directement dans ma teinte.
Hop là. Sur le haut de mes épaules, on va remettre du jaune. J'ai mon chat qui me mord les pieds. C'est chiant ça. Du coup, on a notre petit dégradé de jaune, voilà, comme ça. On reviendra un peu, là, il y a un manque de propreté sur certains endroits, sur les côtés. Ça me permet de voir que le pantalon, j'ai pas fait correctement. Voilà le pantalon. Hop. Du coup, il y a un petit point de jaune juste là. Bon, on refera la ceinture, je pense. Sur le haut des fesses. Puis sur dans le creux des mollets aussi. Voilà, comme ça on a un beau jaune pétant. Bon, pardon, j'ai un peu craqué. Alors maintenant le blanc. Donc le blanc, c'est un mec qui jouait dans Friends, qui était vachement bien. Il a joué aussi dans Perdu dans l'espace, et puis d'autres trucs comme ça. Et c'est un super acteur. Du coup, je vous invite à aller le découvrir. Donc voilà. Alors, je vais passer mon espèce de beige marron, là, c'est une espèce de couleur intermédiaire dans mes ombres. Et je vais directement aller chercher au blanc mes zones d'éclaircie, pour que ça pète bien. Mais du coup, voilà, je passe cette couleur là dans mes ombres. Donc là, je me fie à mon zénithal pour remplacer en fait mon espèce de gris de zénithal qu'il y avait par cette couleur. Et inversement, je vais aller chercher au blanc toutes mes zones vraiment lumineuses. Et je vais faire mes transitions tranquillement comme ça pour que ça claque. Ça va me permettre d'avoir vraiment un blanc très lumineux au milieu de tout ça. C'est une manière de gérer le blanc. Je vous avais montré sur Mystique aussi de comment gérer un peu ça. C'est aussi une autre manière, voilà, sur Mystique de gérer. Mais l'intérêt, c'est toujours de passer par une couleur intermédiaire. Donc un gris ou quelque chose comme ça. Et de garder le blanc pour l'extrême, l'éclaircie extrême, quoi. C'est quoi ce poil là? Un poil de l'espace. Hop, on va laisser sécher.
Dans le dos, vous voyez, par exemple, dans le dos. J'ai ici gros souci, j'ai rien suivi. Ouh, le blanc mat, mat le blanc. Nico Pintouille, coucou mon Nico. Comment ça va? Ça pintouille? Mais Cyril, je sais pas si tu te rappelles, en fait, pour bien capter, il faut que tu ailles dans les bois ou dans les champs, je sais plus. C'est là-bas où tu captes le mieux. Hop. Voilà. Là, j'ai mis mon blanc. Puis ensuite, hop là, je viens lisser entre les deux. Je fais des espèces de petits balayages, des petits allers-retours. C'est comme ça qu'on peint dans le frais. C'est Jérémy qui m'a tout appris. Oh, pour le coup, c'est vraiment la méthode de peinture de Jérémy Bonamant, la peinture dans le frais comme ça. Et je l'utilisais avant, mais pas autant que ça. Et maintenant que je l'utilise presque à outrance, bah en fait ça me simplifie la vie, mais fois 1000. Ça me fait gagner un temps fou pour plein de petits trucs. Parce que les dégradés par glacis, c'est sympa, mais tu fais pas de la pièce d'expo, tu perds un temps ouf, pour pas grand-chose. Alors que dans le frais, un petit balayage et c'est torché. Alors je sais que du coup, il y en a certains quand ils me regardent peindre, ils pètent des câbles en mode mais comment tu fais quoi? Je galère grave pour montrer le bâtiment de New York. Ah ouais, tu galères. C'est quoi qui te gêne en fait? Parce que, enfin, il est pas. C'est pas super compliqué. Le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est les. L'emboîtement entre les bâtiments qui a un sens. Mais il te le montre bien sur la notice, donc. Hop, on va refaire proprement les zones, les bas de pantalon. Je sais bien qu'on retourne pas les figues, mais elle est toute noire sur le pantalon. Donc là, la liaison entre les deux vêtements, je m'en occupe pas trop parce que il va y avoir un comment? Il va y avoir un liseré rouge qui va venir entre les deux. Donc du coup, je m'occupe plus à voilà à la propreté de mes éléments à l'intérieur. Hop, nickel. Là. Le pantalon correctement. Une petite lumière derrière le pantalon. Et là, du coup, on va réajuster la lumière sur le torse. Là, du coup, ça nous donne un petit truc comme ça. Je sais pas si on voit bien les contrastes à la vidéo. Peut-être qu'on verra mieux derrière. Ouais, pas trop. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien les contrastes. Tiens, voilà le plus beau. Eh, hey, mais tiens, voilà le plus grand. Le plus grand, le plus chevelu. Le plus chat. Le plus chat de tous. Ça va, mon Johan? Félicitations pour ton adhésion réussie au service du Bonne Cause en vendant une belle figurine.
Là, je voulais payer le ticket, puis j'étais au boulot, puis tu sais, je fais avec Lydia et j'ai l'application Nydia sur mon téléphone. Et à un moment, j'essaye, puis ça me demande un mot de passe. Je suis là, je fais, mais putain, je me rappelle plus du mot de passe quoi. Donc, je fais paiement carte bancaire et puis ben, ma carte bancaire était pas dans mon portefeuille. Donc, je dis, bon, bah, je reste soir, mais du coup, voilà, ça a été validé trop vite. Salut, mon Jojo, comment ça va? Il y a plein de Jojo dans ce live, c'est. Franchement, les gens, arrêtez de vous appeler Johan, Jonathan, Jean-Robert, des trucs comme ça, quoi. Jean-Robert, c'est pas Jo, ça marche pas. Me suis planté. J'ai mal géré ma blague. Hop. Donc voilà, un peu de blanc. Merci mon pote, plein de potes n'ont pas eu de ticket. C'est pas grave, ça sera une autre prochaine fois. C'est quoi cette histoire de bonne cause? Alors, Johan a peint une sirène, ouais, c'est une sirène, il n'y a pas très longtemps, qui est superbe. Et en fait, il a décidé de la faire gagner avec des tickets de tombola. Et l'intégralité en fait de la vente, donc des tickets de tombola, était reversée à une association pour la protection animalière. Donc j'avoue que je crois que c'était pour les cétacés, c'est ça, Joanne? Pour les dauphins et compagnie. Et il avait dit, bah, dès qu'on arrive à 100 euros, sachant que c'était 2 euros le ticket, bah, je la fais gagner. Et du coup, ça a été réglé très très vite. On fait et toi, mais je suis le pire des Jojo. C'est ça. Bah, c'est ce que je disais, mon Jojo. J'ai des petits retours de santé foireuse, mais sinon, ça va. Hein. Tranquillement. Ça peint, tu vois. Comme d'hab, quoi. Je fais ça. Je fais que ça de mon temps libre. On me dit que je fous rien, que je peins toute la journée. Pas de mon temps libre, non, je fais que ça de mon temps tout court. Donc voilà, là on a fait notre blanc. Donc mat est prêt, mat le blanc, pour ceux qui ont la blague. Et là je fais faire mon liseré rouge. Alors pour le liseré rouge, je vais partir sur mon rouge classique, qui s'appelle communément The Red! Voilà. C'est du rouge. Ça sert à quoi? À faire du rouille. Alors, celle-là, s'il y en a qui ont la référence de ça sert à quoi? À faire du rouge. Mais c'est pas ça la vraie blague, c'est une lampe bleue, elle sert à quoi? À faire du bleu. C'est assez protection mammifère, marin et captivité en milieu naturel. Voilà. Je viens de taper le doigt dans la lampe, ça fait mal sa mère. Mais vous avez vu comment je bronche pas, c'est genre moi franchement même pas mal dans la vie. J'ai besoin de bleu pour le foncer mon rouge. Je sais pas ce que j'ai fait de mon bleu à foncer le rouge, il est là. Interesting. Non mais je joue, notre Joanne Museau National a fait ça très bien. Et franchement. La figue qu'il a fait gagner, c'est une jolie figurine, très bien peinte. Ça manque un peu de chat dans la composition, mais ça, voilà, voilà, on peut pas tout le temps avoir ce qu'on veut, de la manière dont on veut. Je pense que je l'ai un poil trop foncé, mon rouge, ouais. Donc là, les gars. Je vais au moins arrêter de parler, au moins pendant 2 minutes, pour pouvoir faire un trait net et propre sur ma figurine. Franchement. Quand vous faites un truc pressé comme ça. C'est comme les snipers de profession. Faut pas arrêter de respirer, les gars. Justement, si vous arrêtez de respirer, vous risquez le drame. Le drame intergalactique.
Bon, en fait, c'était cool le fige, Johan. La prochaine fois, je tète une tête de chat sur la sirène. Ça sera plus une sirène, ça sera un poisson-chat. Hop. Et tiens, j'ai une petite question à vous, viewers, à l'intérieur. Je suis en questionnement personnel pour un truc. Est-ce que, au niveau de la disponibilité, alors là, je vais parler de ceux qui sont dans le chat, du coup, entre le mardi et le mercredi, c'est quoi le jour où vous êtes le plus dispo pour regarder les lives? Parce que je vous avoue que, avec mon changement d'emploi du temps, j'hésite grandement à déplacer le Marvel Day le mardi soir plutôt que le mercredi soir. Et en plus de ça, il y a donc Eevee, même si notre communauté n'est pas trop basée sur la communauté de Eevee, qu'on soit clair. Sinon, j'aurais 5000 personnes en spectateurs là, mais non, c'est pas le cas. Mais Eevee fait du coup ses lives le mercredi soir. Et je me suis dit, bah, je sais pas, à voir, parce que moi le mardi après-midi, comme je bosse à la maison, c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer mon temps. Et ça permettrait de re-recommencer les lives à partir de 20h30. Plutôt que 21h. Donc si jamais vous êtes plus chaud pour qu'on fasse ça le mardi, je verrai pour décaler ça le mardi soir. Hop. De petits traits de rouge. Ça, c'est un peu la partie chiante, hein, qu'on soit honnête. C'est pas grave, on refera notre noir. Oh là là, je tenais mal ma figurine. C'était un coup à filer un coup de pinceau. Le mardi, c'est ravioli. Ah ouais? Putain. Moi, le mardi, c'est clafoutis. Mais... Après, chacun son truc, quoi, tu vois. En vrai, tous les mardis, tu fais des raviolis? Du poil sur le bout de mon pinceau, ouais. Donc, du coup, j'ai dû prendre mes petits ongles pour aller enlever le poil. Et du coup, je l'ai enlevé et il est revenu. Parce que j'ai toujours un bout de poil au bout de mon pinceau. Donc, je pense que c'est juste un poil de pinceau. Tout simplement. Hop. Et on continue. N'hésitez pas à retourner votre figurine, à la prendre dans tous les sens. Ouais. Pour pouvoir mieux insérer votre pinceau à l'intérieur de cette figurine. Quoi, c'est une émission un peu décalée, oui. Réfléchissant, mardi, il y a parfois live pas mes figues, mais mardi, Marvel, ça rime, non. Bah, mercredi, Marvel aussi, mardi. Mais après, effectivement, voilà, s'il y a d'autres youtubeurs que vous aimez regarder qui peinent le mardi, moi, mon but, c'est absolument pas de faire par-dessus d'autres. Surtout s'ils ont des espèces d'émissions dédiées, spécialisées. C'est des lives comme tous les lives dans la semaine. Enfin, je prends l'exemple. La painting, il peint tous les soirs quasiment. Donc ça change pas grand chose que ça soit tel jour ou tel jour. Hop. Pour le moment, les griffes, elles sont là. Hein. Je sais pas pendant combien de temps elles vont être là, mais elles sont là.
bot. J'ai mon bot qui m'envoie des messages. Bon, là on est à peu près bon. Ici il manque juste un petit raccordement entre les deux. C'est le raccordement satellite. Voilà. Donc là voilà, j'ai fait mes petits lining rouges. Je crois que j'ai fait pas là-dessus, j'ai fait le dos. Le dessous de t-shirt apparemment c'est aussi comme ça là. Du coup on va faire comme ça. Effectivement. Cette figurine, on peut la mettre dans une team X-Force. Je crois que de base, elle est affiliée X-Force, effectivement. Je sais pas s'ils ont mis à jour la liste, mais... je crois que de base, elle est X-Force, X-Men. Puis c'est tout. Mais je crois qu'elle est dans les deux. Je me demande si elle est pas Brotherhood aussi, mais j'ai un doute les deux. Mais ça m'étonne. Bon, on a fait ça, on va re-retoucher légèrement le noir. Donc je vais juste remettre un petit peu de Black Templar dans les endroits où j'ai débordé là, avec mon blanc. Parce que Matt, il est pas content. Matt le blanc. Putain, c'est une blague redondante. Hein. Faire attention. Hein. Ouais, j'ai une des griffes à mon avis. Si elle part pas en soir, je sais pas, elle part quand quoi. Là, on a une petite vénère de colère. Donc là, ça donne ça. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps pour les linings, tranquillement, à venir faire vos trucs pépère. Oh là là. Mon pinceau qui était mal rincé. Du coup, j'ai du noir et du rouge dans mon pinceau. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse au niveau des dates de sortie, a priori, alors je... Tout ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes, hein, clairement, puisque tout le monde sait un peu les problèmes au niveau Asmodée, mais... Fury et Electra devraient être dispo le 11 mars. Sachant que sur le site, apparemment, il y a marqué le 30 avril. Donc, c'est pour ça que je dis à prendre avec des pincettes. Mais nous, dans le catalogue Asmodée, il y a marqué voilà, que commandable et livraison, enfin précommande pour le 11 mars. Donc, ça a été précommandé. Le manoir. Le diorama d'Octopus n'est toujours pas dispo, on comprend pas pourquoi. Et le décor des X-Men est toujours en rupture. Donc comme ça, voilà, si vous voulez un peu d'infos Marvel, sinon il y aura un réappro. Après quand, je sais pas. Je sais que Julien normalement a fait une commande. Mais je sais pas s'il a commandé que les nouveautés ou qu'il a fait un réappro pour le site. Voilà, on est pas mal. Alors, pour le noir, je vais prendre mon Black Templar, là, je vais le mélanger un peu avec du blanc. J'y vais vraiment, ça me donne un espèce de gris bleuté bizarre. Et là, je vais juste éclaircir le haut de certains volumes, donc les doigts, là, de la main. Le haut de l'épaule.
les petites sacoches. Donc les sacoches, je fais comme quand je fais du cuir. Là, pour le moment, je fais un premier lining et après, je vais venir avec une couleur un poil plus claire. Faire comment? Du texturing en mettant des petits traits ici par là pour amener un peu de texture tout simplement dans ma figurine. Hop, donc là je rajoute plus de blanc. Là sur mes sacoches, voilà, je vais venir faire des espèces de petits points à 2-3 endroits, pareil sur la ceinture. Par contre je vais pas trop blanc. Parce que je veux que quand je vais ajouter mes différents trucs métalliques là, que ça claque vachement plus. Que ça ressorte. Et du coup, je sais pas si on voit bien, ça te donne quelque chose. C'est vraiment petit, hein. Enfin, pour le coup, vous voyez la taille de mon pinceau, hein, enfin, elle est ridicule cette figurine. Elle est vraiment ridicule. Alors, pour la peau. Pour la peau, je vais partir sur une basique flèche. Donc ça, c'est mes petits pots de Skell. Que j'aime bien pour ma peau, donc on l'a vu la dernière fois. Donc là je vais prendre mes références basiques, donc je pars sur mon basic flash, je l'éclaircis un peu avec un light skin pour ajouter un peu de jaune dans la peau pour que ça ait un peu plus de luminosité de patate, et je finirai au light skin pour les lumières extrêmes, sachant que le visage est vraiment petit, donc on va voir ce qu'on peut faire. Et j'utilise le Indian Shadow qui est une sorte de mélange de rouge et de violet pour les ombres, donc à vous de voir. L'intérêt c'est vraiment d'avoir une peau relativement neutre et de passer par du jaune pour l'éclaircissement pour vraiment avoir un côté très lumineux sur la peau, et la carnation avec une, enfin voilà, un peu de rouge rouge violacé dedans, ça marche très très bien quoi. Hop. Et au passage, on va faire une petite pause glouglou. Parce que le glouglou, c'est la vie. Alors, je vais mélanger un peu de mon Indian Shadow avec de la chair de base, là. Pour avoir une espèce de couleur intermédiaire. Cette couleur, je vais un peu la badigeonner partout. Je vais juste un peu squeezer les ombres parce que les ombres, je vais venir directement mettre de l'Indian Shadows. Je m'embête pas trop. Donc là, pour le moment, ça me donne une couleur très... très rosé pastis en terrasse. Hop. En même temps, je vais venir mettre l'Indian Shadows dans mes ombres directement. Donc là, je prends vraiment l'envers de ma figurine. Et je vais mettre mon ombre dans le noir de mon zénithal. Hop là. Ok, maintenant,
Je vais reprendre ma chair claire. Dans mes points de lumière, je vais venir ajouter ma chair claire. Ça, on fera le visage après. Pour augmenter mon contraste de lumière. Hop. Elle a des bras, c'est des allumettes. Je suis sûr que je peux allumer du feu avec les gars. Je peux faire Johnny Hallyday. Allumer le feu. Vous pouvez pas test. Extrêmement dangereux. C'est ça sa tactique à Honey Badger. C'est de foutre le feu en fait. Hop, je vais laisser sécher tranquillement. Salut Karim, comment ça va? T'as fini ton Yoda? Il est où le Yoda? Il est du côté obscur de la peinture là ou du côté lumineux de la pile de la honte? Donc pour ceux qui savent pas, bon il est sur le Facebook, mais Karim, alias Prince Mohamed, est un des peintres de Hurlas. Et pour l'anniversaire d'un an, il a participé au CDA en peignant un gobelin de la nuit, armé d'un pinceau taille 1, très 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 agressif, et peint en violet du coup. Donc je l'ai mis sur le groupe du CDA sur le Discord. Pour ceux qui souhaitent. Mais du coup, c'était bien rigolo. Ok. Mes bras, je vais directement aller chercher le light skin là. Donc un espèce de jaune pour mettre vraiment dans les points de lumière extrême. Ça va vraiment m'amener de la clarté. Je vais lisser un peu le truc avec de la chair, ma chair de base. Ok. Il est fini, ou presque. Ah, hâte de voir ça. En tout cas... Moi, c'était le ton drapé là, il commençait vraiment bien. Hein. Il y a vraiment quelque chose de sympa, quoi. Hop. Donc là, je fais des espèces de micro lissage de transition un peu là-dedans, histoire que ça ressorte un peu plus. Donc là, le truc, c'est que quand on a cette étape-là, il faut pas être déstabilisé. Parce qu'en fait, notre jaune là, lumineux, il rend vraiment jaune. Mais vraiment, ça fait jaune. Sauf qu'après, quand on va mettre notre chair claire dessus, on va le désaturer. Et ça va quasiment plus se voir. Donc là, par exemple, hop. Et ça permet d'avoir notre chaud avant notre couleur froide. Pour augmenter le contraste de luminosité. Et du coup, bah, ça marche bien, quoi. Il faudra le mettre sur le Discord. J'en ai bientôt un pain de Yoda. Et ben voilà, Karim, tu sais où mettre ton Yoda. Donc là... Voilà, sur les bras, pour le moment, ça donne ça. Donc là, comme c'est vraiment petit, on voit pas grand-chose, hein, mais... Et vous avez compris l'idée. Si vous voulez, je vous montrerai sur le buste de Valeria. Valeria, je ne sais jamais comment elle s'appelle. Ce que ça donne. Alors, pour mon visage. On va venir chercher les zones de... Comment dire ? D'impact fort, comme d'habitude. Sous les yeux, tout ça.
leurs quatre sourcilières qu'elle a. Je vais laisser l'autre côté un peu foncé. Pour, je sais pas si on voit bien la caméra, c'est un peu compliqué, hein. Hop, je vais augmenter. Je peins une tête qui fait littéralement, je sais pas, 3 mm de haut. Mais ça va, hein, franchement, dans ma vie, je me sens bien. Hein. Je sais pas, je. Je suis comme Johan Museau, moi j'ai un chat, je suis heureux, quoi. Hop, on va venir chercher un peu le menton. Pas le menton, la mâchoire. Voilà, l'oreille. Je vais remettre encore une couche pour réaccentuer ma couleur de base. Là, il faut vraiment y aller étape par étape, tranquillement, prendre son temps. Ok, maintenant je vais ajouter mon jaune. J'accentue vraiment des points de lumière. L'arcade du nez. Le dessous des yeux, le creux du nez. Le dessous du menton. On est pas mal, juste. Ok, inversement, je vais prendre mon Indian Shadows, je vais venir faire mes ombres extrêmes sur mes joues pour augmenter un petit peu le contraste. Sur la base de mes cheveux. Sur le côté du nez. Colorer mes lèvres aussi. Donc là actuellement ça donne ça. Et là je vais mettre mon blanc pour éclaircir. Enfin mon blanc, ma chair claire. Donc je la mets dans le creux du nez au niveau ici là, juste là. Je mets un point là. Quand vous avez un gros nez, je parle en termes de volume, pas en termes de. Voilà. Vous pouvez faire le dessus de la boule du nez aussi. Je vais le mettre au niveau de mon arcade sourcilière. Hop. Et je vais mettre dans le creux du non-œil. Et je vais aussi mettre un léger petit point sous le menton, mais vraiment tout tout léger. Je vais aussi accentuer le lobe de l'oreille, donc le creux et le haut. Et on va lisser tout ça. Faire les lèvres.
Donc là, je vais juste prendre mon Indian Shadows parce que je veux pas des lèvres maquillées, je veux juste une lèvre rosée, naturelle. Voilà. Visage, ça donne ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À me dire si c'est de la merde ou si c'est vachement bien. Ça peut être vachement bien en étant de la merde. On se rend pas compte, mais des fois. Et du coup, ça me permet de voir que il faut que je rééquilibre des lumières sur mes bras. Hop. Donc dans les creux de mon bras. Simplement, je remets un petit peu de chair pâle là. On va pouvoir faire les cheveux. Or les cheveux, on va pas s'embêter. Classe malgré la taille. Alors sincèrement, je répète, mais une figurine Marvel taille normale, c'est ça. Voilà. Hein, elle est ridicule. Elle est vraiment toute petite, 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 quoi. Voilà, j'ai le faucon là que j'ai peint pour un de mes clients. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez le voir un peu en vidéo, je me suis un peu amusé sur le dessous, tout ça. Voilà, Sam Wilson, c'est ça. Donc la taille, on n'a quand même pas la même chose. Bon, on va faire l'acier, puis il nous restera les cheveux et le socle. L'acier, il me faut mon gris acier. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Il est là. J'ai du blanc, il me faut du noir. J'ai un peu de jaune aussi. S'il y en a qui ont des pots de chimera à plus savoir quoi en foutre, je suis repreneur, surtout le blanc et le noir. J'en ai quasiment plus. Ceci est un appel. Un appel à la peinture. Alors les griffes, on va pas s'embêter, hein. Voilà. Quand vous avez des petits volumes, vous pouvez avoir un contraste fort sans transition. C'est pas très grave. C'est plus quand on commence à avoir des gros volumes. Où là, il faut prendre le temps de faire des petites transitions, des trucs comme ça. Mais là, je peux directement aller de mon gris acier à mon blanc. C'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est tellement petit que vous pourriez faire une transition, on la verrait pas. Voilà. En fait, elle vous fait des gros fuck en e badger. Wesh fuck, frère. Du coup, il y a la petite boucle de ceinture également. Et on est bon. Puis les cheveux, alors, du coup, jeunes gens, est-ce qu'elle a les cheveux bruns marron ou est-ce qu'elle a les cheveux noirs? C'est la grande question existentielle. Final, je pense que je pensais que mon marron était plus foncé que ça, mais c'est un marron marron, donc on va partir là-dessus. Faire le sourcil. Alors là, excusez-moi, mais il faut que j'arrive à voir bien mon poil de pinceau. Évidemment, je ne vois que dalle et j'ai un vieux poil de chat.
C'est pas possible. J'ai de la peinture sur mon pinceau ou bien... Yes. Ouais, mais c'est ok. C'est un pot de peinture que j'ai pas dû utiliser encore. Il y a le médium qui se délie un peu. Du coup, quand je peins, c'est le médium qui glisse et pas la peinture. C'est un peu. Au boulot, on a acheté, vous savez, un petit vibromasseur là pour les pots de peinture. En vrai, au début, je pensais que c'était un peu gadget. Et c'est vraiment bien. Et je pense que je vais m'en acheter un. Je sais pas combien ça coûte. Je pense que ça coûte pas très très cher. Mais genre, typiquement, pour la scale 75, c'est le top du top. Enfin... Pour éclaircir mon marron, je vais mettre une pointe de blanc et une pointe de mon jaune orangé là. Je vais simplement venir mettre 2-3 petits points de lumière dans les cheveux au niveau de la... Là, comment ça s'appelle? De la raie. Comme Lana. Lana Del Rey. Si vous n'êtes pas content de mes blagues, on vous force pas à rester, hein. Voilà. Bah, c'est pas de ma faute, hein, si je fais des blagues de haut vol et que vous n'êtes pas satisfait de ces blagues-là, hein. Enfin, franchement. Manque d'un petit éclaircissement sur la mèche de devant là. Hop. Voilà. Vous voyez, il y a déjà une griffe là qui dit fuck à l'autre. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je me disais bien que j'avais oublié un truc métallique. J'avais fait exprès de les laisser en plus. Et les genouillères. Hop, on va foncer un petit peu le bas de la genouillère. Voilà, et on va mettre du blanc juste sur le haut.
J'avoue que les genouillères, j'ai aucune idée de si elle est carrée, triangulaire, rectangulaire, ovulaire, nique ta mère, enfin voilà, j'ai pas d'idée. Hop là. Ou Odile, exactement, Odile de Ré. Ça c'est une bonne référence, ça. Et on va faire le socle. Alors le socle de ce cher monsieur sont en agarote d'une légèrement éclaircie. C'est un peu dégueulasse à la base, mais une fois que c'est retravaillé, ça le fait bien. Le seul truc qui est chiant, c'est que tu mets ça, puis après t'attends au moins 15 jours que ça sèche. Et là, directement dans le frais. Je vais venir carrément éclaircir mon socle sur le devant. C'est du frais de contraste. Faire ça pareil derrière. On va laisser sécher. Hop là. Bon, ça va toujours dans le chat. Vous êtes à fond là, à fond les ballons. Ça finit de peindre. Chacabon, t'as fini de monter tes décors de la mort qui tue. Je refais le défi peinture à une main. Parce que j'avais trouvé ça rigolo. Mais ces griffes, elles vont sauter, c'est obligé quoi. Je vois pas comment elles peuvent survivre à une manipulation intensive. Là pour le coup, AMG, ils ont voulu faire un petit truc tout mimi, tout fin, tout voilà. Bah j'arrive, la figue est finie. Bah ouais, mais j'y peux rien moi. C'était trop vieux pour arriver plus vite que ça. En temps et en heure, je peux pas. Je te montre quand le socle est sec. Parce que là, si je mets mes doigts, tu vois, il faut que je repeigne le socle. Donc du coup, la fixe sera pas finie, il faudra que je repeigne le socle. Et du coup, je vais faire ça à chaque fois et ça va être chiant. Ça va, mon Nico? J'ai commencé à regarder ta vidéo, je te ferai un retour. J'ai deux, trois petits trucs, mais sinon c'est pas mal. Après, j'ai juste regardé le passage que tu m'as dit pour le moment. J'ai pas regardé le reste. Mais j'ai hâte de tout voir ça. Donc ouais, Honey Badger, c'est la figurine la plus petite de la Terre. Ah bah tiens, j'en ai une deuxième là.
Ça, c'est Honey Badger, d'accord? Ça, c'est sa sœur, Laura, qui a taille normale. Ça va, c'est pas... Franchement... Je vois pas en quoi c'est petit. Enfin... Non, pour moi, elle a la bonne taille, tu vois. C'est du 12 mm, quoi. Il y avait embouteillage de déambulateurs dans les couloirs de l'hôpital. Ah bah ouais, non mais... Hey. Il y en avait qui avaient des fauteuils électriques et puis d'autres, non. Voilà. Bon, sinon, pendant que ça sèche, je vais vous montrer donc ce que j'ai peint, ce que je suis en train de peindre, ce que je... Donc, je suis en train un peu de rush mes Sinister Six. Donc là, c'est de la peinture très rapide. Mais du coup, j'ai peint Craven là, pour vendredi soir. La figue est vraiment sympa et j'ai hâte de le tester en jeu parce que sur le papier, Craven, il a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool, quoi. Donc voilà, après, niveau retouche, plus tard, il faudra que je refasse de la texture sur les cuirs. Il y a le bijou là qui est un peu vaseux. Des petites conneries comme ça, mais voilà, c'est très bien pour vendredi. Donc notre petit Craven. J'ai peint aussi en speed monsieur l'homme lézard, alias Elsorus, alias j'aime les égouts. Donc du coup voilà, avec la super eau d'égout dégueulasse, toute sale et qui va bien. Donc pareil, ça a été peint en speed, une petite heure et demie, grand max de peinture là-dessus. Et là j'ai commencé ça, mais lui je veux pas le bâcler. El Mysterio. Et la figue est vraiment cool. Elle est super cool à peindre. Il y avait les... Narman ou la guêpe? Tu parles en petite taille, ouais. Bah, franchement, la guêpe, elle fait presque la même taille. On va regarder, mais je te jure, la guêpe avec les ailes fait quasi la même taille. Mais ouais, le Mysterio, vraiment, vraiment sympa à peindre. J'adore cette figue. Et en jeu, il est plutôt sympa aussi, donc hâte de tester. Et je testais, c'est ce que je disais, le guide NMM or de Chimera avec leur recette, et c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est une autre manière de gérer le NMM, enfin l'or, du moins que je faisais. Et ça donne des teintes vraiment vibrantes, vraiment sympa. Moi je partais plus sur des teintes d'ocre à la base, et eux ils partent plus sur un mélange de jaune violacé, enfin c'est un peu bizarre. Et ça donne quelque chose de vraiment sympa. Enfin, voilà, je sais pas si vous aimez bien El Mysterio. Mais moi j'aime beaucoup la figue. Alors. Nico, je crois que t'es pas prêt. Vous voulez voir? Franchement les gars. Je suis désolé mais The Wasp est plus grande que Honey Badger hein, en taille. Mais ouais, en taille de Gugus, bien sûr, The Wasp est plus petite, mais ça joue à une botte, hein, les gars. Hein. Au niveau de la tête, ah quoi. Voilà, j'aime bien, c'est ma grande passion, j'aime bien faire des bruits, j'aimais bien les petits soldats quand j'étais petit, c'était un truc vraiment sympa, je sais pas si vous avez déjà joué aux petits soldats, mais bon, c'est en train de sécher tranquillement. Donc Nico, ça donne ça, donc comme je disais, c'est une commande client, c'est pour ça que je fais ça ce soir. Et en fait il m'a juste demandé de bosser un peu le visage. Donc j'ai pris un petit peu de temps sur le visage. Bon, on n'a pas pris 50 ans non plus hein, mais ça donne ça. Mais tu vois, j'aimerais bien aller chercher l'œil et tout hein, mais ça se tente hein, mais ça se tente.
Si c'est bon, j'ai réussi à mettre mon petit point de blanc dans l'œil. Yeah. Pour des raisons de budget, cette scène a été entièrement bruitée à la bouche, c'est ça. Imagine trop le film, tu sais. Avec The Wasp, dès qu'elle se transforme, ça fait... Piou piou, pan, paf, comme les vieux Batman. Donc voilà. Mais voilà, la figurine de Honey Badger. Alors pour le coup, tiens, je vais m'absenter juste deux petites secondes. Hop. Donc celle que je disais, moi, donc de C23, c'est celle-là. Donc il y a la version aussi où elle est en mode comme ça. Mais la version de C23, elle est comme ça. Et je la trouve sympa parce qu'en fait, elle a son casque avec ses grosses lunettes. Et ça j'aime bien. Puis bon, elle a un peu plus balèze quand même. Je suis un peu hors champ là, un peu plus balèze. Mais ouais. Ou alors La Cité de la Peur, le film des nuls. Ouais, exactement, ouais. Si tu avais fait les yeux de Rocket, ça passe. Mais Rocket, les yeux sont gros par rapport à ceux-là. Hein. Franchement, tu. Non, mais tu. Quand tu l'auras en vrai, Nico, tu verras. Ils ont craqué hein, au niveau de la taille. Genre les griffes là. Je tiens responsable pour n'importe qui a sculpté ça et celui qui l'a imprimé et moulé de se dire qu'à un moment ça allait faire de la merde. Franchement, à quel moment ils se sont dit les mecs ils vont pas la casser. Non, mais vous inquiétez pas. La griffe elle est solide quoi. La griffe dans 3 sessions de jeu, il y en a plus. Franchement, au début, quand j'avais vu les premiers mecs à avoir la figue qui avait dit non, mais les gars, faut la green stuffer ou un truc comme ça, j'étais en mode abusez pas quoi, ça va. Celle de Volvi, elle passe. L'épée de Deadpool, malgré le petit trou qu'il y a dedans, ça passe aussi. Enfin, voilà quoi. Et en fait, ouais, non, quand on a vu le kit, on a fait ah, d'accord. Hop, donc là, je fais juste les petits éclaircissements de cratères et compagnie. Et du coup, on aura fini notre Honey Badger. Voilà, ouais, je vais lui mettre sûrement une petite feuille sur le socle pour varier un peu. T'arrêtes tes conneries, Okan? Je vais t'embarquer, hein. Ouais. Mon chat qui retourne la poubelle. Oui, et du coup, X23, ben, la version Laura, je l'aime beaucoup. Enfin, c'est vraiment la X23 Laura. Et du coup, bah, pareil, Teddy m'a imprimé la version Wolverine de C27, qui est vraiment sympa aussi. Par contre, ils lui ont mis les griffes au pied, et pour le coup, là, elles sont plutôt solides. Mais la version Wolverine est vraiment cool aussi. Donc du coup, je verrai, je vais sûrement la peindre aussi, mais voilà. Après, en jeu, elles ont l'air un peu pétées, les deux. Hein. Sincèrement, surtout Honey Badger... On verra sur le papier, mais elles ont l'air plutôt fortes. Hein. Elles ont l'air plutôt fortes. Hop. Mais voilà. Et puis ça, bah, ça va aller au vernissage. Parce qu'on aime bien au vernissage, on boit des coups souvent. Souvent, il y a des verres de champagne au vernissage. Donc du coup, on aime bien y aller. Et c'est super cool, quoi.
Donc voilà. Bon. Hop, je vais laver mon pinceau. Puis on va voir, on va aller voir des copains en live peinture. Je pense qu'il y a, il y aura 2-3 personnes de connectées. Faut que je chauffe JRC pour qu'il vienne peindre ses Marvel avec nous un soir. Ça pourrait être vraiment sympa. Hop. Maintenant qu'il a craqué là, c'est bien. Il faut que les gens ils craquent. C'est le meilleur moyen de jouer à Marvel, c'est de craquer. Puis vous voyez, là il a acheté une figue, hein. Enfin, il a acheté une boîte. Mais du coup, il va en acheter d'autres. Puis comme il en aura acheté d'autres, bah, il va en acheter d'autres. Puis ainsi de suite. C'est sûr et certain. Espèce d'alcoolo, va. Bah. Ouais. Oui, j'aime bien boire, moi. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Après, entre copains, c'est encore mieux. Mais voilà. Et je trouve que c'est une bonne passion. Hop là! Donc je disais, dans la semaine, je vais lancer un CDA de la chaîne. Je pense pas le bloquer à Marvel, mais je pense qu'il y aura principalement du Marvel. Donc ça sera un CDA mensuel, où en début de mois, on commence le CDA. Les gens mettront les photos sur le Discord. Ils peuvent le mettre. Le mieux, c'est de mettre une fois que c'est fini, mais s'ils veulent mettre le projet dans son ensemble... Il n'y a pas de, comment dire, il n'y aura pas de lot, il n'y a pas d'histoire de je m'engage d'eux et je fais ça, c'est vous dites juste tiens ce mois-ci je vais peindre ça, puis à la fin du mois on regarde ce que vous avez pas, et puis chaque dernière mission du mois on fera un petit check de ce qui a été peint sur la chaîne, ce sera sympa, et comme ça si ça peut permettre aux gens de se donner des objectifs sur leur peinture de figue, ça peut être vraiment cool. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc je vais faire les colis cette semaine, je suis désolé, en fait j'ai pas eu le temps de faire la semaine dernière les colis pour donc pour tous ceux qui ont gagné des lots lors de l'anniversaire. Donc je l'ai expliqué en début de live, j'avais des rendez-vous médicaux et du coup voilà, j'étais un peu pris pendant la semaine. Donc pour mon temps libre pour faire les packages. Donc je vais faire ça cette semaine, je vais essayer d'en préparer là. Dans tous les cas ça sera fait ce week-end et ça sera posté semaine prochaine. Voilà, j'essaie de vous faire ça. Donc pour rappel, il y a Guidu qui a gagné, il y a Woufette qui a gagné, il y a Cyril Ludic qui a gagné et il y aura le gagnant du CDA. Mais le gagnant du CDA, j'ai pas besoin de faire de colis, c'est un bon d'achat. Et j'ai déjà le nom du gagnant, donc voilà, je pourrai l'annoncer. La vidéo, donc toujours pareil, en partenariat avec quicommence.fr et les jeux de la comté, où vous avez un petit code promo Hello Yurlas, tout attaché, donc Hello comme en anglais et Yurlas comme Yurlas, qui vous donne 10% supplémentaire donc sur la gamme Game Workshop, peinture, modélisme et bien entendu Marvel Crisis Protocol. Parce que bah nous on aime bien Marvel, tu vois, moi, enfin quand je dis nous, je parle de moi, je parle de Yurlas, toi, Dark Framboisé, il aime bien Marvel, Karim en parle un peu aussi, voilà, c'est cool Marvel. Sinon, je voulais dire autre chose, mais je sais plus quoi. Donc, on va se dire que voilà, c'est comme ça. Il y a Nico Prime qui nous prépare des trucs super cool. Donc, pareil, n'hésitez pas à vous poser la question et préparer vos bagages pour venir au Wargame Legend Marvel Crisis Protocol. C'est important, il faut qu'on se retrouve, il y aura tout le monde, ça va être trop cool. C'est une fois par an, voilà, vraiment, c'est l'événement à pas louper, donc faut être là, les gars. Hop, tu veux dire bonjour, Ken ? Non ? Tu viens dire bonjour aux gens ? Allez, viens. Si mon chat, il attend sa bouffe, en fait, hein. Du coup, il tourne en rond, il fouille dans les poubelles, il mordit, il vient me bouffer les pieds, voilà, tous les trucs. Enfin, bref, donc du coup, moi, je vous fais des bisous, on va faire un raid histoire de dire qu'on vient voir les copains, quoi. Mais un raid, là il me reste 5 personnes sur le live. On était 8 tout à l'heure, on est monté à 12 à un moment. On va regarder. Lancer un raid sur une chaîne. Atomic. Eh, on lance un raid sur Atomic Mass Game. Il peine quoi? S'il peine du Marvel? Ouais, oh, il peine pas du Marvel. Ça aurait été cool. Y'a qui en live actuellement, les copains? Y'a pas grand monde. Bah, y'a JRC, y'a Valhalla Painting. Y'a Sorrent, y'a Carve qui est en live.
Attendez, je vais voir. Je regarde ce que les gens ils peignent. Oh. J'ai de la pub. C'est vachement bien la pub, les gars. Franchement. JRC, il peint du Space Marine. Il est avec ses lunettes, c'est génial. Il a une bonne tête de vainqueur. On l'aime. Voilà, il joue. Donc, non, on va pas le raid. Bah, il joue, Val. Donc, donc, du coup, voilà. Bah, Carve, il joue aussi. Ça se trouve, ils jouent ensemble, les deux. Entre jeux, ils font quoi? Entre jeux, ils jouent un jeu de société. Et Epic Duck Studio, ils jouent aussi. Mais tout le monde joue, en fait. Et bah, du coup, on va aller voir JRC. Parce que, bah, JRC, il est en train de peindre. Ou alors, il y a Deckflow qui est en train de peindre du... Je présume du Black Templar. Je sais pas trop. Ouais, je pense que c'est du Black Templar. Allez, on fait un raid sur JRC. On va aller voir notre Michel. Bon, les copains, je vous fais des bisous. On se revoit bientôt. Je vais essayer de poster la figurine, la photo de la figurine là, dès qu'on a raccroché. Je pense pas que je vais prendre une belle photo. Je vais prendre une petite vidéo parce qu'elle est vraiment petite. Ça va être super l'enfer. Je lance le raid. Restez pour le raid. Et puis, voilà. Hein, je vous fais des bisous à tous. Ciao, ciao, les gars. À bientôt. Ça, tu peignais quoi? Yo yo yo! Pour ceux qui connaissent pas Urlas, n'hésitez pas à aller le voir. Allez faire un petit follow sur sa chaîne, c'est toujours plaisir. T'es le Vlad. Le Vlad Tepes des peintres, c'est ça? Le Vlad Tepes. Je connais pas Vlad Tepes. Je mets des lunettes parce que je fais des trucs... Enfin, je faisais les yeux, remarque, j'en ai plus besoin. C'est vrai. Je les enlève. J'ai l'air moins con. Salut, Kuro Fipito.